Donc, je vais vous dire, moi, Fatou, Malik sans conviction, le RPG arc-en-ciel, de Amara Azaworo, du président Alpha Condé, Alpha même, lui, c'est mon père, on l'enlève, des ministres, de son premier ministre au planton, c'est mes frères. J'ai toujours dit à tout le monde, grand frère, je me suis toujours respectée. Personne ne m'a connue dans le parti. Aucun militant, aucun directeur. Je n'ai pas eu de contact, de copain ou de projet de mariage avec quelqu'un du RPG. J'étais dans l'IFDG. J'étais très active dans l'IFDG. Personne de l'IFDG, quand j'ai quitté, avec tout ce que j'ai fait de CELUS et l'IFDG, personne n'a pu trouver quoi que ce soit pour me faire taire. Il n'y en a pas. Donc, c'est la même chose dans le RPG. Il n'y a pas cet homme qui peut dire que quand moi je parle, il dit non, tu ne peux pas parler, voici ça, non. Donc, à plus forte raison, un blogueur sur les réseaux sociaux, un soi-disant blogueur, un démagogue, un madic sans conviction. Je vois pourquoi tu as eu femme peul, parce que tu as fait croire aux gens là que moi j'étais femme de toi. Vous avez vu, c'est pourquoi, si vous voyez aujourd'hui les gens ne font pas du bien, tu vois quelqu'un, tu as pitié, tu fais du bien pour la personne, tu te mets à la place, après les personnes vont sortir que tu étais femme. Madic, moi c'est de ton père, si je veux quelqu'un là, si je voulais quelqu'un là, c'était de ton père. Lui, je t'ai dit, lui au moins il a des convictions. Lui au moins il est décédé loyal. Lui au moins avec tout ce qui s'est passé, il est resté loyal à son parti qui était le RPG arc-en-ciel. Donc si moi j'allais être la femme de quelqu'un, si moi je vais embrasser c'est ton père, m'a dit wallahi billahi tallah, moi je vais. Tu es en prison, ça te manque. Ça te manque, tu es en prison. Moi je veux t'embrasser, tu vas refuser. Est-ce que tu as bien calculé ce que tu disais? Tu peux agir. Quand tu me voyais, tu ne bandais pas. C'est ce qui m'a fait que j'ai arrêté de partir te voir. Moi, je venais te voir par pitié. Et c'est toi qui m'appelais. Et je venais pour te donner l'accès. Pour te donner l'accès. Et c'est toi qui m'appelais. Tu me dis, tu n'as pas mangé, tu veux la viande. C'est pourquoi quand tu es tombé en malade en prison là-bas à la maison centrale, j'ai dit, c'est la viande que tu mangeais à la DPJ là. C'est ça. Trop de viande pour un homme, c'est pas bon. Ça rend même faible. Toi, m'a dit que sans conviction. Moi, c'est ta mère. J'ai eu pitié de cette pauvre femme. Et ton père. D'accord? Et c'est ma nature. Je suis une personne qui a pitié. Je ne combats jamais le faible. Quand je te vois en position de faiblesse, j'ai pitié de la personne. C'est ce qui fait, moi, ma force. Moi, j'ai affaire avec les personnes qui se croient fort. Je combats les personnes qui se disent fort. Parce que moi, je sais, il n'y a pas une personne forte. La force, là. Une personne forte. Ah non, la force, tu sais, c'est qui est fort? C'est Dieu, l'unique Dieu. Allah Waïdoun. Malik, regarde, hein? Tu as vu mes cheveux? Je viens de couper mes cheveux. Hé, regarde. Et je vais te dire, Malik, depuis que je suis rentrée aux États-Unis, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas encore travaillé. Parce que j'ai quoi manger jusqu'à la fin de mes jours. Je ne suis pas venue ici pour le boulot, pour chercher l'argent. Moi, mon argent, je prends de l'argent en Guinée pour envoyer ici aux États-Unis. Je n'ai pas besoin d'enlever $1 ici pour envoyer en Guinée. Quand il y a quelque chose, tout de suite, un truc de $10,000, $15,000, c'est là-bas. L'argent va sortir, on règle le problème. Tu es qui, m'a dit, pour que moi, je vais tomber amoureuse de toi. Et que moi, je vais vouloir de toi et que toi, tu vas refuser. Tu es qui? Donc, c'est l'argument là que tu as eu, c'est parce qu'elle était fan. Le seul homme dont je suis fan, à part mon vrai bébé là, peut-être, alors, il faut dire l'homme que je suis fan là, hein, à part mon vrai bébé là, peut-être c'est Loudalin. Ah, tu es sorti dire parce que à un moment, les gens disaient ici, je t'ai sur Selou parce que j'étais fan de Selou, ma jeune. Donc, toi aussi, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, je suis fan de celui. Il est où le problème? C'est lui. Lui, je suis fan de lui. Mais je suis pas amoureuse. On peut être fan d'une personne et non amoureuse. J'ai mon amour. J'ai l'homme de ma vie. L'homme que moi-même, je rêve d'avoir. C'est mon rêve, moi. Tout mon rêve, c'est comment terminer ma vie avec lui. Il existe. Et lui, il a mes vocaux. Quand je pleure, quand il me fait quelque chose, il me raccroche. Je l'appelle, il raccroche le téléphone. Je dis, hé, oui. Et puis c'est ça, vous savez, c'est ça. Je ne suis pas créée par un menuisier ou un soudeur. J'ai été créée par Dieu. Je suis humaine. Je suis très forte en politique. Mais je suis très faible en amour. Je suis la femme la plus sensible dans l'amour. Quand je suis amoureuse, quand j'aime, je suis la femme la plus douce, la plus soumise. J'aime bien les malinqués. J'aime bien les soussous. J'aime bien les forestiers. C'est l'occasion même de répondre parce que quand j'ai fait mon direct, j'ai vu le commentaire d'un forestier. Il dit, avec tout ce que j'ai dit sur Tamba et ça, le mariage de Tamba, est-ce que moi je peux dire que je suis fan, je veux d'un forestier? Mon frère, vous savez, vous ne comprenez pas le français. Et malheureusement, dans la vie, là, vous comprenez ce que vous voulez entendre, quoi. La façon dont vous voulez prendre la chose, c'est ce que vous entendez. Je suis opposée, je suis contre le mariage de Tamba. Pas parce que Tamba, il est forestier et que la fille, elle est peule. Je ne suis pas une ethno. Je ne serai jamais ethno. Et je n'ai pas besoin de dire ça à qui que ce soit. Tout le monde sait que je ne suis pas une ethno, moi. D'accord? Je n'ai rien contre les forestiers. Moi, Fatou, si cet homme qui existe là n'était pas là pour moi, si j'avais pas quelqu'un que moi-même je veux vivre avec, terminer ma vie avec là. S'il y a un forestier qui veut de moi, la seule, j'aurai une condition. C'est quoi la condition? Qu'il devienne musulman, c'est tout. Je suis musulmane. Quand un homme qui est non musulman veut de moi, quand tu es musulman, on se marie sans problème et avec plaisir et fierté même. Et ma famille sera très fière parce que au moins j'ai converti quelqu'un dans l'islam. Donc je ne sais pas parce que j'étais contre le mariage de Tamba. Je suis contre parce que Tamba a fait changer la fille. Et Tamba a fait quitter la fille dans sa religion musulmane. C'est tout, hein. Et pour que lui, Tamba, il l'épouse. Parce que si la fille ne changeait pas sa religion pour devenir chrétien, les parents de Tamba n'allaient jamais accepter que Tamba épouse une musulmane. Donc c'est ça. Et c'est nous, c'est notre l'islam qui nous interdit. C'est l'islam qui interdit que nous, les femmes musulmanes, qu'on épouse, qu'on se marie avec un homme chrétien. Mais les hommes chrétiens, c'est autorisé qu'ils épousent. Pardon, les femmes, les hommes musulmans sont autorisés à épouser les femmes chrétiennes. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans notre Coran, c'est dans l'islam. Donc c'est ça. Je n'ai rien contre les forestiers. Moi, je ne juge pas les gens, je suis pas juge. Je ne suis pas Dieu. Seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu sait notre sort. Seul Dieu sait c'est quoi notre fin. Seul Dieu sait. Chacun de nous, oui, il va nous recevoir. On prie juste Dieu qu'il nous protège, qu'il nous donne une bonne fin, et puis que voilà, à l'au-delà, qu'il nous donne le paradis. Donc moi, je ne juge pas les gens. D'accord? Je n'ai rien contre une communauté. Malik, je vais t'envoyer où? Surtout à l'époque. Moi, je suis comme moi, je veux, moi, t'embrasser. Tu es là-bas, tu ne te laves pas, tu ne te brosses pas avec vos toilettes sales là. Moi, je vais penser à t'embrasser. C'est pas toi qui m'appelais et que tu pleurais pour que je vienne te voir. Et je venais pourquoi? Parce que tu me dis tu as faim, tu n'as pas mangé. Et je faisais toutes mes courses. C'est quand je rentre à la maison, tu sais que j'habitais derrière. J'étais pas loin. Je passe là-bas. Je te donne l'argent, tu envoies les gens, ils vont aller acheter de la viande. Et je partage l'argent aux gardes qui sont là-bas.
Et au début, tu n'avais même pas accès à trop parler. Je venais pour te donner mon téléphone pour que tu appelles les personnes dont tu voulais appeler ta famille. Moi, ce service que je t'ai rendu, je ne fais dis jamais le bienfait que je fais aux gens. Mais quand on fait du bien à des ingrats, il faut le dire. Surtout quand l'ingrat veut mentir sur toi. Si moi, je suis fan de toi, Madik, tu ne vas jamais refuser ça. Je ne veux pas un homme qui a les fesses et un homme qui a le ventre. Ce n'est pas manquer du respect aux hommes. Tabou sang. Et Madik, moi, je me suis mariée très jeune. Je me suis mariée quand j'ai eu 20 ans. Et avant que moi j'ai 20 ans, là, je ne sais pas combien d'hommes qui ont voulu de moi en mariage. Donc si ces histoires de mariage-là, je connais. Et c'est moi qui ai dit non après, quoi. Et si je veux aujourd'hui, là, me mettre en couple, juste pour me mettre en couple, là, n'oubliez pas qu'il y a des étrangers. Il y a les Américains, il y a les Ivoiriens, il y a les Camerounais, il y a les Maliens tout proches. Il y a les Sénégalais. Ils sont ici. Je suis ici. J'ai mes documents. Donc, je ne veux pas juste me mettre en couple. Et je n'ai rien à perdre. Je vais me marier pour faire les enfants. Le jour où je serai prête à vivre avec la personne que moi, je veux. Là, parce que c'est moi qui veux. Je sais qu'il... Voilà. Mais moi, je l'aime plus. Et je suis fière de le dire. Je l'aime plus. Je l'aime parce qu'il est bien, parce que c'est un homme. C'est pas l'âge qui fait d'une personne mature, en fait. Il est mature, il sait ce qu'il veut dans sa vie. C'est l'homme qu'il me faut, en fait. Un homme qui me recadre. Un homme qui dit, regarde-moi, tu n'es pas seul, en fait. Je suis dans ta vie et il y a de ces choses, je ne vais pas t'autoriser à le faire. C'est pas permis. Regarde-moi et regarde tes enfants. Un homme qui me rappelle, pense aux enfants. Il y a de ces choses, pense aux enfants. Un homme qui a eu le courage, il est venu vers moi à travers les diffamations des gens. Les gens ont tout dit. Il dit, je vais connaître, je vais rencontrer celle-là, je vais la connaître. Et il n'est pas la seule personne. Hein? Il y a beaucoup de gens comme ça qui veulent... Mais j'ai pas donné. Lui, j'ai cru en lui. J'ai une sixième chance, en fait. Quand quelqu'un me dit c'est lui, quand, en fait, dans mon cœur, quand il y a quelque chose qui me dit oui, c'est la bonne personne, c'est cette personne. D'accord? Madik sans conviction. J'aime bien les malinqués. Et les femmes malinqués, les hommes malinqués et puis les femmes peu là, c'est pas moi, en fait. Mais c'est pas toi le malinqué là. Et m'a dit que moi j'ai pas épousé mon copain. Hein? Moi je suis fière de parler. Mais moi c'est pas mon copain qui m'a épousé. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai mougou pendant des années. Je me suis mariée avec. Moi je me suis mariée avec le papa de mes enfants. Il était aux États-Unis. Je le connaissais pas. Je l'ai pas vu. C'est après mon mariage il est allé en Guinée. On s'est vu. Donc, on peut tout dire sauf ça. Et cet homme dont je dis aujourd'hui que j'aime là, ça va se passer la même chose. Il n'est même pas là aux États-Unis pour dire que non, vu peut-être qu'il est aux États-Unis, quelque chose de lourd va se passer. Non, il ne vit même pas aux States. Il n'est même pas ici aux États-Unis. Donc, ça va être, voilà, c'est un mariage aussi là, quand je vais, voilà. Donc, je suis fière. Moi, ce n'est pas mon copain. Hein. Je ne suis pas comme toi. Mougou une personne après des années et puis vous vous mariez. Je ne suis pas cette femme. M'a dit que tu n'es rien devant moi. Tu es un démagogue. Tu es une... Tu es un démagogue, tu es un menteur. Moi, Fatounielle, je t'autorise. J'ai tous nos conversations. Ton numéro de la Guinée, premier là. Hagadi téléphone à moi. Tu sais pourquoi je ne fais pas certaines choses. Tu sais, elle m'a dit pourquoi je ne veux pas me ridiculiser. Parce qu'à montrant tes conversations ici, là, ça risque de jouer sur ma crédibilité. Ça risque de jouer sur ma crédibilité. Les gens vont dire, ah, tu vois, mais pour toi, là,
Je te dis, il faut aller poster toutes nos conversations. C'est moi qui t'autorise. Va poster parce que moi, j'ai tous nos messages. J'ai tous nos messages. Tu as vu mon téléphone là, Madik? C'est mon iPhone 12 Pro. Le simple, pas Pro Max. C'est l'iPhone 12 Pro. Ce téléphone n'a pas de numéro maintenant. Là. C'est mon numéro. D'abord de la Guinée qui était ici. Après, quand je suis venue, j'ai acheté une puce de New York. Les simples mobiles. J'ai mis ici mon numéro des États-Unis, le 646. Maintenant, après, ce téléphone, quand je suis rentrée cette fois-ci, j'ai trouvé le iPhone 13 que j'ai montré devant tout le monde. Quand je suis rentrée, on m'a donné ça ici, cadeau. On est allé, une fille qui m'aime, je vous ai dit, on est allé ensemble, il a acheté le iPhone 13 avec la puce T-Mobile, le numéro de Ohio ici, elle m'a donné. Donc, m'a dit, j'ai toutes nos conversations ici. Là où tu m'appelais, je refusais de décrocher. Et tu dis, pourquoi tu ne prends pas? T'es comme nos conversations de la Guinée, là. Tu sais, c'est là, mon numéro. Mon numéro de la Guinée, c'est dans ça, ça était. Donc, ton numéro de la Guinée que tu avais, là, je te rappelle juste le numéro partout. Parce que moi, je ne suis pas... En fait, je... Malik... Je vais juste là, je ne vais pas rentrer. Tu as vu? Là, il y a combien de Madik ici? Il y a Madik Canada, il y a Maman de Madik, il y a Sokra Madik. Donc, Sokra Madik, c'est ton ami. Maman de Madik, c'est ta mère. D'accord? Il y a Madik Canada. Madik en haut, là. Tu sais, c'est ça le numéro de la Guinée. Ton 040, c'est à la fin. Pour ceux qui t'appelaient, là, ils sont au courant. Ton 0407 à la fin, ton numéro de la Guinée. J'ai tous nos conversations, messages, le téléphone là à tout. Maintenant, ton numéro aussi de Canada là, m'a dit Canada, le 0672 à la fin, ça est là aussi, nos conversations, tout est là. Donc, vu moi, je voulais de toi là, je t'autorise de prendre nos conversations, tu vas aller publier pour prouver aux gens que ce que tu dis, tu n'as pas menti. Que tout ce que tu as dit, c'est une vérité. Vas-y, c'est moi, Fatou, je t'autorise. Faut aller montrer aux gens, tu dis, ouais, ce que j'ai dit, Fatou, voilà, Yamadik n'a pas menti. Ne viens pas parler seulement qu'elle était fan de moi. Moi, si, c'est pas. Mais c'est pas tard, c'est possible que je publie, parce que, en fait, tu sais, deux fois trop chercher. Comme ce que dit Damaro. En fait, nous, notre force, si vous voyez que nous, on a les bonnes informations. Les gens nous appellent. Vous savez c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'on ne les enregistre pas. Deuxièmement, on ne vient pas ici montrer les conversations des gens. C'est ce qui fait qu'ils ont confiance en nous. On nous appelle, on nous dit tout. Les gens appellent Damaro, ils me mettent en conférence, on parle. Et puis on nous dit, hey, si ce n'est pas vous là, on n'ose même pas. On n'ose pas les gens. Nos informations qu'on a là, ce n'est pas comme ça au hasard. C'est parce que les gens ont confiance. On est crédible, en fait. On ne vient pas prouver à quelqu'un ici, quand Dieu et le prophète Mohamed, paix salut sur lui, les bonnes personnes qui ont confiance en eux, là, quand nous, on parle, ils ont confiance. Parce qu'ils savent que, ouais, les gens, là, ils mentent pas. On n'en a rien à foutre. Je dis, Madik, va tu faire sortir nos... Je dis, il y a tout ici. C'est le téléphone que j'avais en Guinée. C'est ce téléphone, ton numéro de la Guinée, nos messages là, tes messages, ça est là. Tes appels manqués que tu m'appelles, après tu envoies des messages pour dire, vilaine, tu ne me décroches pas, pourquoi tu ne me décroches pas? Pourquoi Fatou? Et après, quand ils t'ont enlevé à la DPJ, ils t'ont envoyé à la maison centrale, est-ce que je suis une fois allée te voir? Je ne suis pas allée te voir. Tu as tout fait, tu as appelé, tu parlais. Je ne suis pas allée te voir. Je ne suis pas allée te voir, m'a dit sans conviction. Tu étais fâché la veille que je venais aux États-Unis. Tu dis, si tu voyages et tu ne viens pas me voir, je dis, je ne peux pas, le temps est peu.
Ils t'ont déféré à la maison centrale. Est-ce que je suis une fois allée te voir à la maison centrale? Tu restais dans la prison là-bas. Tu prenais ton téléphone, ton numéro, tu m'appelais ici. C'est toi, moi qui étais fan de toi. C'est toi qui prenais ton téléphone. Tu m'appelais dans la prison ici, on parlait. C'est toi qui le faisais, Madik. Et j'ai toujours rassuré ta mère. J'ai dit à ta maman, maman, reste tranquille, je te promets qu'il va sortir. Tu sais pourquoi je n'ai pas soutenu Doumbouya? Parce que je sais l'accès que j'ai eu avec Alpha Condé, je ne peux pas avoir ça avec Doumbouya. J'avais entendu sa maman dire, ah, Denis Ning, et qu'a pas gagné que Alpha la télé, et a fait que vous le kenden na télé à Tibena. Bon, si canal la donne un trophée. Donc, même si on était proche de Doumbouya là, s'il fait des choses qui sont injustes et on veut parler, on ne peut pas. Donc, vaut mieux de ne pas. Moi, je ne vais jamais être avec quelqu'un que je ne peux pas conseiller. Quelqu'un que je ne peux pas te dire, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Donc, Alpha, je l'ai toujours dit, ce qui n'était pas bon. Je suis fière. Si vous voyez, moi, Fatou, je vous dis aujourd'hui, je parle avec Alpha Condé. Vous pensez que c'est que ma beauté seulement qui a fait ça? Vous pensez que c'est parce que je suis la seule militante engagée pour Alpha Condé depuis tout le temps? Il y a les vrais militants de Alpha Condé. Il y a les vraies personnes qui se sont sacrifiées. Il y a des vrais RPGistes. Il y a des vrais, vrais RPGistes. Quand je vous dis vrais RPGistes, il y a même des RPGistes qu'on a. Hey, vous avez vu Alpha Mamoudou Condé là? C'est un vrai RPGiste. On lui a frappé ses dents là. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas subi. Mais il n'a jamais changé. Il y a tellement des vrais RPGistes, des alphaïsmes dans l'âme. Des gens qui ont tout donné à Alpha depuis que j'étais jeune. Je ne suis pas plus qu'eux. Mais Alpha Condé, pourquoi je suis en contact avec lui? C'est parce que tout simplement, tout ce que je l'ai dit, il a vu avec ses propres yeux. Il a compris que j'étais une très bonne personne, que je ne suis pas une démagogue. Je l'ai toujours dit la vérité. Et tout ce que je l'ai dit, il a vu. C'est comme si je lui racontais une histoire, en fait. Et que l'histoire, là, il a tout vu de ses propres yeux. Donc, Madik, nous ne sommes pas les mêmes. Tu n'es rien, tu n'as rien, tu es zéro. Tu es un manipulateur. Tu es un opportuniste. Tu es un démagogue. Tu es un menteur. Tu es un traître. Moi, j'ai insulté ce loup d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, pas du tout. J'ai traité de ce loup de tous les noms d'oiseaux. J'ai fait tout ce que je pouvais faire comme humiliation, comme quoi sur ce loup d'aller. Je l'ai fait. Oui, et j'assume. J'ai repliqué. Je suis allée très loin. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je dis, grâce à mon papa, Maître Bereté, grâce à Ansou Damaro, je n'ai plus de haine. Je n'ai plus de tension à Bolan. Je n'ai plus de haine contre celui et son IFDG. Aujourd'hui, moi hier qui insultais celui, moi hier qu'il y a des gens, même si tu leur donnais le Coran, ils allaient mettre la main sur le Coran pour dire le malheur de celui, moi, Fatou, je vais toujours me résoudre de ça. Des gens hier qui pouvaient mettre leur main sur le Coran et qu'aujourd'hui, celui a été... Celui-là, il a juste la baraka de ses deux parents. C'est ce qu'il a sauvé dans les mains de ce bandit. Allez, va dans le téléphone, non? C'est parce qu'il a la baraka de ses deux parents. C'est ce qu'il a sauvé dans les mains de cet assassin qui est Mamadi Doumbouya. Moi qui ai insulté celui hier, moi qui a fait de tout, qui a tout dit sur celui d'Alain, mais vu là, il subit l'injustice. D'abord, j'ai décidé de ne plus l'attaquer. Et je suis fière parce que j'ai une maman. J'ai une maman. J'ai une mère. D'accord? Les injures que j'ai faites contre les parents de celle-là, sa mère, son père, je l'ai fait ici sur les réseaux sociaux. Moi, la même personne, vu que je ne suis pas descendue du ciel et que ma mère, elle est tout pour moi. J'ai des enfants, je connais c'est quoi l'importance d'avoir une mère dans sa vie. Quand elle a parlé, elle m'a laissé juste un, c'était deux vocaux. Quand j'ai écouté, et puis je me suis dit, Fatou, tu n'es pas tombée du ciel là. C'est cette pauvre femme dont tu viens d'entendre les vocaux là.
C'est elle qui t'a porté pendant 9 mois. Et c'est elle qui t'a mise au monde. C'est elle qui t'a mis sur son dos pendant 3 ans. C'est elle qui a fait aujourd'hui, tu n'es... Grâce à Dieu, oui, mais aussi elle a veillé sur toi. Elle a tout fait pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Donc, si cette pauvre femme te parle et que tu refuses, tu es qui au juste? J'ai accepté ce que ma mère m'a dit. Je suis sortie, j'ai demandé pardon. Et je suis, s'il y a quelque chose aujourd'hui que je suis vraiment fière de toute ma vie, la chose que je suis vraiment, vraiment fière, c'est d'avoir accepté ce que ma mère m'a dit. Accepter de sortir, demander pardon à la famille d'Alain. Oui, je suis très fière. Et c'est ce pardon de la famille d'Alain. C'est ce pardon de leur désistement que mon frère aujourd'hui, il est en République de Guinée. Il circule comme il veut, il est sorti de la prison. C'est le pardon de la famille d'Alain là. C'est eux, leur désistement qui a fait que Ousmane Niélo est sorti de la prison. Donc moi je suis fière, mon pardon n'est pas allé dans l'eau. Je pouvais refuser, je suis ici, c'est pas moi qui étais dans la prison. Et en plus, je suis tellement fière parce que je suis tellement fière de ce pardon qui a aujourd'hui encore sauvé mon petit frère de nouveau. Parce que si je n'avais pas demandé pardon et que le désistement, je suis tellement fière de ce désistement, le désistement de la famille d'Alain. Parce que s'ils avaient refusé eux aussi, je pouvais dire pardon, ils refusent le pardon. Mais ils ont accepté mon pardon. Malgré tout ce qui s'est passé, ils ont accepté le pardon. Ils ont désisté. Et leur désistement là, s'ils avaient refusé eux aussi de désister, aujourd'hui, Niélo allait être libéré. Et Niélo sera utilisé par le CNRD et moi en personne. Et on va être sur les réseaux sociaux, encore devenir des monstres, insulter ces loups. Là même, on allait faire pire que ce qu'on a fait dans le passé. Donc le désistement de cette famille a encore sauvé mon petit frère. Parce qu'il allait encore sortir, continuer ses bêtises. C'est ce qui fait que moi, je dis, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais manger, tu vomis et puis tu me prends encore. J'ai assumé tout ce que j'ai fait. J'ai prouvé au monde entier, je ne t'ai pas envoyé par Alpha, ni le RPG, ni un cadre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de mon propre gré. Et après, je suis sortie, j'ai demandé pardon. Je dis, moi, Fatou, c'est l'Oudalin. Son IFDG, je ne vais pas dire que je ne vais pas dire leur nom, comme ce que je suis en train de faire. Mais c'est si ils subissent l'injustice, en tant que Guinéenne, en tant que musulmane, en tant qu'humaine, en tant que quelqu'un qui est contre l'injustice, je vais venir les défendre. Mais je ne vais jamais les attaquer, je ne vais jamais les insulter. Je ne suis pas de l'IFDG, j'ai dit ça, c'est clair. Je ne serai pas aussi, je ne vais pas me retourner. Et je ne vais pas, ce que je faisais dans le passé, les combattre à l'externe et à l'interne, là, je ne le ferai plus. Ça, c'est moi qui ai dit. Et ça, j'assume, je vais le faire. Ça, c'est moi. Moi, je ne suis pas une démagogue comme toi, Madik, sans conviction. Tu es venu à l'IFDG, tu es revenu à l'IFDG. C'est parce que tu voulais la femme Peul. Parce que nous, les Peul, on est tellement joyeux. On est tellement, je ne sais pas, de fois quoi. Dès que tu viens, tu dis, c'est l'Oudalem. S'ils peuvent, s'ils avaient des âmes à donner, là, on allait te donner. Dès que tu viens, tu dis, hé, hey, c'est l'Ou, moi, IFDG. Tu pouvais rencontrer celle-là si ce n'était pas quand parce que tu étais dans l'IFDG. Parce que tu faisais ici, genre, un combat démagogue. Quand tu étais là parce que Alpha s'en foutait de toi, il savait que tu n'étais rien, tu ne pouvais rien apporter. Et qu'est-ce que tu as apporté à l'IFTG si ce n'est pas remonter les gens? C'est toi qui te flanquais, m'a dit sans conviction, pour dire que les Peuls subissent quoi même? On tue les Peuls, tu mens. Va te faire foutre. Tu es un menteur. Tout ça, c'est pour moi, je ne vais jamais. Hey, quand un Guinéen meurt, quand un Peul meurt, c'est un Guinéen qui est tombé. Quand un Soussou meurt, c'est un Guinéen qui est tombé. Quand un forestier meurt, c'est un Guinéen qui est tombé. Quand un Malinké meurt, c'est un Guinéen qui est tombé. Ceux qui sont morts sur l'axe-là, c'est vrai, il y a plus de Barbary Diallo.
C'est la même chose au procès de 28 septembre. Il y a plus de Barbarie Diallo que des autres. Peut-être dans les 100%, il n'y a que 5 ou 10% qui sont des autres communautés, en fait. Mais moi, je sais que c'est des Guinéens qui sont tombés. Pour preuve, Sekou Koundouno, du FNDC, il n'est pas Peul. Et comment je vais dire? Foni Kemenge, il n'est pas Peul. Mais c'est eux aujourd'hui qui sont devant les plaintes des personnes tuées dans le passé. Pourquoi ils le font? Si ils le faisaient parce que ils ne le font pas pour leur communauté, ils le font pour leur pays parce que c'est des Guinéens. Dans leur tête qu'un Guinéen qui tombe, un Peul qui tombe, c'est un Guinéen qui est tombé. C'est ça les patriotes. C'est pas toi le démagogue. Tu veux l'argent, tu n'as rien, tu as une vie inventée. Tu n'as rien, Madik, tu n'es rien. Tu es un simple quémandeur, un menteur. Moi, tu me demandais de l'argent. Tu m'as appelé combien de fois pour me demander l'argent? Et je t'ai donné. La façon, je ne connais rien de toi. Et je n'ai jamais cherché aussi à savoir quoi que ce soit sur toi, Madik sans frontières. Je n'ai jamais cherché. C'est quand tu es allé en prison. Je t'ai allé à la déposie. Quand j'ai vu ta mère, elle n'était même pas rentrée ce jour-là. Quelques jours après ton arrestation, quand on l'a même pas d'abord donné l'accès, quand je l'ai vu pleurer, j'ai eu pitié, je suis sortie faire un direct avant même de te rencontrer. J'ai demandé pardon. J'ai été insultée. C'est à cause de ta mère. Et dans ma vidéo, j'avais expliqué, je dis, à cause de cette femme, j'ai des enfants. Le plus beau cadeau que Dieu peut donner à une femme, c'est les enfants. Donc je sais combien de fois mes enfants comptent pour moi. Combien de fois je tiens à mes enfants. Donc je sais que toute femme, c'est comme ça on tient à nos enfants. Toutes les femmes du monde tiennent à leurs enfants. D'accord? Donc Madik, tu n'es rien. Tu n'es qu'un démagogue. Celle-là dans les ceci, c'est que tu as fait mal. La vérité que moi je viens de dire. Je dis, tu es un démagogue. Tu es un lâche. Celle-là ne va pas rentrer parce que c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, tu sais, c'est celle-même qui a mis de la valeur. C'est l'IFDG qui a mis de la valeur sur toi. Sinon, tu n'es rien. C'est eux qui ont fait de toi ce que tu es en politique. Et tu profites de l'image de celle-là d'aller. Parce que celle-là, je vais te dire, celle-là, toute personne qui, avec qui ils vont te voir là, ils vont penser que cette personne est proche de toi. Ils veulent tellement ta peau pour eux que quand ils te voient avec la personne, donc cette personne-là, la personne la connaît tout de toi. Donc, si tu vois, ils ont approché Tiangel, ils ont approché Alpha Bakar, ils ont approché Ousmane Gawa, ils ont approché plein de gens. C'est parce que pour eux que les gens la connaissent tout de toi. Et moi, je dis, c'est faux. Je leur défie. Ils connaissent rien de toi. Personne d'entre eux n'a quelque chose qui peut t'impliquer. Seul où tu es l'homme le plus méfiant, moi, je sais, je confirme. Je dis, quelqu'un qui connaît tout de celui de l'IFDG, c'est nous les deux, Nielo et mon frère et moi, parce que c'est nous qui partons transmettre la commission de mon père et la commission de celle-là chez mon père. Et mon père aussi, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qui a fait notre valeur? Qu'est-ce qui a fait qu'Alpha nous a aimés, nous a considérés? Il a été là, il nous a approchés parce qu'il a vu qu'on n'a rien dit. On l'a dit clairement, carrément, on n'est pas là pour raconter ce qui s'est passé hier entre celle-là et mon père. On n'est pas là pour ça. C'est ça quelqu'un, c'est ça l'être humain, c'est ça être noble, digne. Madik, regarde-moi bien, regarde-moi très bien. Je suis mère de deux enfants. J'ai deux enfants. Je dis, je pouvais avoir deux filles et avoir envie d'un garçon. Je pouvais avoir deux garçons et avoir envie d'une fille. Mais Dieu m'a prêté deux, une fille et un garçon. Masha'Allah. Et des enfants qui ont des jolis prénoms. Rayhanatou et Abdulmajid. Si c'est... Et mes enfants sont beaux, masha'Allah. Et mes enfants, c'est des Américains. Marie, tu es au Canada, je suis aux États-Unis. Tu es qui? Moi, je t'ai donné combien de fois l'argent? Je ne connais rien de toi et je ne veux rien savoir de toi. Toi non plus, tu ne connais rien de moi. C'est quand tu es allé en prison et que je suis allé à la DPJ. On a dit que tu es là-bas. Après, je dis, ok, il faut lui dire que je suis là. Et je t'ai venu spécialement pour mes programmes.
Je venais souvent à la DPJ pour mes programmes. Je venais souvent à la DPJ pour libérer des gens qui sont arrêtés. J'ai toujours dit, je suis peul et fier de soutenir Alpha Condé. S'il y a un problème, quand j'ai un parrain qui a un problème, je vais venir. Si tu as... Voilà, parce que deux fois, on venait prendre... J'ai dit ça même dans un direct. C'est pas toutes les personnes qu'on prenait qui étaient, comment je vais dire, fautifs. Il y a des personnes, ils tombaient sur eux, ils n'ont rien fait. Maintenant, après, je viens et puis on justifie qu'ils n'ont rien fait. Et puis, je viens, on les libère. Donc, j'étais tout le temps à la DPJ. Un jour, je suis allée libérer quelqu'un à la DPJ. Il y a une policière qui m'a giflé. C'était même sorti, les gens ont parlé. Mais vu, moi, je ne me suis pas expliquée. Qui a parlé? Les gens ont commencé et tout. Je suis venue. C'était le temps quand ils ont tué les policiers sur l'axe là. Maintenant, les policiers, c'était leur promotionnel. Ils étaient fâchés et ils ont arrêté des gens. Quand je suis venue, j'étais au téléphone, je parlais pour là. Il y a une femme qui était là. Elle m'a vu venir. Elle a dit en bon soussou, il est au dédé, à wa mamé tidi a fafé, à li ma béya. Il est au, et sendema, et voilà, et ram, mi dampete. Et sendema, et ramere, et me ramere souma, et radime souma. Fonne un problème, surtout sonne une fabé, elle a dit ça. Moi, je l'ai entendu parler. J'étais au téléphone. Arrivé, elle me dit, hé, c'est gamin. Et je dis, ah. Après, elle me pousse, je dis, ah, c'est quoi ma soeur? Après, je dis, ma soeur, elle vient. Je dis, hey, attends, je fais comme ça. Après, elle m'a giflé, la policière. Mais quand elle m'a giflé, je dis, c'est mon téléphone là, pas autre téléphone là. J'ai pris mon téléphone, j'étais au téléphone, j'ai levé, je l'ai cogné avec la bouche. Là, c'est ouvert, c'est déchiré. Le sang est sorti. À la DPJ, elle les a demandé. La femme, elle est là-bas, la policière. Le monsieur qui avait dit qu'il allait envoyer mandat d'amener, d'arrêt contre moi là, qui est décédé, paix à son âme. C'est pourquoi le policier, en fait le militaire en un mot, tous les corps là, que tu sois policier, militaire, gendarme, journaliste, c'est des gens à ne pas avoir confiance. Faut jamais croire en leur amitié. C'est moi qui le dis. L'amitié d'un journaliste, l'amitié des corps habillés là, militaire, policier, gendarme, faut jamais avoir confiance. Les journalistes là, faut jamais avoir confiance. Ils sont avec toi tant que tu as la force, tant que tu as le pouvoir, tant qu'ils peuvent avoir quelque chose de toi. Quand j'ai vu ce commissaire, paix à son âme, qui était sorti dire que lui, il va envoyer un mandat d'arrêt international contre moi, deux jours, trois jours après, il est décédé. Un policier qui me respectait, qui avait un amour, un respect religieux pour moi, que je venais voir à tout moment, quand il y a des problèmes, quand il me voit, c'est lui qui vient vers moi. La fille du président est là. Et le pouvoir est doux. Hey, ce que j'ai fait dans le pays, en Guinée, le temps des Alpha, là. C'est pourquoi je ne vais pas soutenir n'importe qui. Je te soutiens, tu me donnes tous les privilèges. Tu vas me donner l'accès. Je vais faire, ouais, la personne qui soutient le pouvoir. Nous, les Ngélo, on a soutenu Alpha et puis on a joué. C'est que on a bien... On s'est tellement bien amusé. On a eu l'accès à tout. C'est ça, soutenir un pouvoir. Quand tu es dedans, tu es dedans. Tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Mais tu soutiens un pouvoir. C'est comme si tu ne soutiens pas un pouvoir. Moi, c'est pas nous les nielleux. On est dedans, on est dedans. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Et ce monsieur, le commissaire qui est décédé, paix à son âme, il est sorti dire à la fille, malgré c'est moi qui l'ai blessé, hein, après... C'est vrai, elle a été la première à me gifler. Moi, je l'ai tapé, j'ai déchiré ça. Je dis, c'est déchiré, le sang est sorti. Après, j'ai pris son collègue. Les policiers sont venus après. Il était en haut, il nous a vu, il est venu. Ah là, il criait, il a eu peur. Regardez ce que vous avez fait. Vous savez pas c'est qui? C'est la fille d'Alpha Condé. Vous voulez recréer des problèmes? Il a eu peur. Je dis, non, ça va. Moi, j'ai payé pour moi. Maintenant, on m'a demandé pardon. Après, ils m'ont réconcilié avec la femme. Ils ont dit... Il y a eu des gens qui ont écrit, fatigué, sous ce que j'avais dit sur les réseaux, je dis Anna Moutagi. Quand un policier me gifle, Anna Moutagi. Donc Anna Moutagi. Du coup, Madik, tu es homme menteur. Je dis, Madik, j'ai tous nos conversations. Ton numéro de la Guinée.
pour ceux qui connaissaient ton numéro là. D'abord, Canada a fait un 0672. Ça est là. D'accord. Et je dis, nos conversations, hey, je ne sais pas si tu vois. Y a, bon, je ne montre pas les conversations, mais juste ton les numéros. Il y a quoi ici? Tu es là. Il y a Madik, ça, le Madik en haut là, c'est ton numéro de la Guinée. Madik Canada, c'est voilà. Maman de Madik, ta mère. Sokra. Sokra, c'est ton ami. Qui m'a donné le numéro de Sokra? C'est pas toi. Et nos conversations sont là, tous nos messages sont là. Je te dis, je t'autorise d'aller montrer là où j'ai voulu de toi. Là où j'ai voulu de toi. J'ai tout ici. Quand je fais sortir tes conversations ici, plus personne ne va t'écouter. Mais les gens vont dire, ah, tu sais, éviter Fatou parce qu'après, elle monte. C'est ça, hein? Je ne suis pas cette personne qui... Je ne suis pas cette personne, Madik. Sinon, tes conversations, nos conversations depuis la Guinée est là. Quand tu m'appelles, je refuse de prendre les messages que tu envoies, tu es fâché. Madik, je veux bien, j'aime bien les hommes malinqués, qui sont élégants, galants. Mais pas toi. Toi, tes fesses, on dirait pour moi. Ton ventre, on dirait pour... Parce que moi, je n'ai même pas de ventre. Je ne veux pas un homme qui a le ventre. Je ne veux pas un homme qui a les fesses. Moi, je suis pour les hommes normales. Quoi. Excusez-moi. Excusez-moi, ceux qui ont les ventres là, ceux qui ont les fesses. Voilà, excusez-moi, c'est pas pour vous manquer de respect. Mais il faut dire à ce petit démagogue, escroc international, Madik sans conviction, je m'en fous. Moi, je peux vouloir de toi et puis toi, tu vas refuser. Madik, ok, si moi je veux de toi, tu es en prison, comment on allait faire? Tu es gardé jusqu'à dans tes os. Tu es tellement gardé. Tu étais dans un bureau, tu n'étais même pas dans une cellule. Tu étais dans un bureau, là où Ousmane Gawa allait, lui, il peut témoigner. Il y a combien de gens? C'est un bureau qui est là. Il y a plein de gens. Et je ne suis jamais allée là-bas sans trouver des gens. Et je viens, on reste. Barry White, dont tu traites, je ne sais de quoi là. Combien de fois il est venu avec des commerçants de Madina? Combien de fois lui, il est venu avec des commerçants de Madina me trouver? Les gens là te donnent de l'argent. À cause de Barry. Tous les jours, il était là-bas. Il m'a dit que tu es un menteur. Barry. Barry aussi est mieux que toi. Barry White, là, lui aussi, il est mieux que toi. Moi, je ne suis pas cette personne qui va sortir raconter de n'importe quoi. À un moment donné, quand c'était chaud sur moi dans l'IFDG, les gens ont dit, ah, Barry, parce que Barry, à un moment, on était proches. Les gens ont pensé qu'il avait... Je dis, il n'a qu'à toute personne qui a quelque chose de... Hey, sortez, montrez. Il n'y a pas quelqu'un qui a quelque chose qui peut... Déjà, moi, pour m'enregistrer là, toi-même, tu peux pas avoir envie. Parce que quand on parle, quand je parle avec un blogueur, les peu de blogueurs avec qui, dans le passé, j'ai eu des relations avec qui je parlais. Parce que moi, Damaro, ce n'est pas un blogueur devant moi. Damaro, c'est mon champion. Damaro, c'est mon ami. Damaro, c'est mon frère. Damaro, c'est quelqu'un qui compte pour moi. C'est quelqu'un qui m'aime au fond du cœur. Damaro, je parle avec Damaro. On parle. On se dit plein de choses. Beaucoup de choses. Lui, on parle beaucoup. On se dit plein de choses. Je n'ai même pas peur parce que je sais qu'il n'enregistre pas. On parle, je lui dis des choses, je l'explique plein de choses. On parle politique, on dit des choses qui va et qui ne va pas. Je fais le Congo sable avec lui là-bas. Ah! Parce que je sais, oui, il ne l'enregistre pas. Lui, je ne le considère pas comme un blogueur. Mais vous, les autres blogueurs, là, les peu de gens dans le passé avec qui je parlais, là, et vous n'étiez même pas nombreux. C'était Barry White. Et qui, à l'époque, ils n'étaient même pas nombreux. Barry White, quand je parle avec Barry, tout ce que je dis à Barry, c'est ce que je peux dire ça dans un live. Donc moi, je n'ai peur de rien, je n'ai pas peur d'être enregistrée, je n'ai pas peur d'être... J'ai dit, toute personne qui a quoi que ce soit, il n'a qu'à faire sortir, moi, Fatou. Madik, Barry, là, il est mieux que toi. Barry,
Moi et Barry, c'est vrai, récemment, il y a eu des hauts et des bas entre nous. Je t'ai fâché contre lui. Mais après, quand son frère est tombé malade, je l'ai vu en larmes. J'ai eu pitié. Et depuis ce jour, j'ai décidé toute haine que j'avais contre lui, j'ai enterré. Oui. Mais toi, c'est Barry qui faisait pour toi. Tu n'as rien. Peut-être m'a dit que c'est toi qui as un seul testicule, toi. Toi, là, quand tu regardes là, tu as un seul testicule. Comme c'est toi, je dis toi, tu regardes un seul testicule que tu as dans ton pantalon. Heureusement que ce n'était pas moi qui étais fan de toi. C'était toi qui es fan de moi. Imagine si toi et moi, là, si moi j'étais fan de toi, là. Et puis si moi, toi et moi, on était ensemble, là. Si moi et toi et moi, juste on flirtait, là. Juste même si c'était au téléphone. Parce que d'ailleurs, c'est le flirt là qui est plus dangereux. Parce que là, on peut avoir des preuves. On peut trouver des messages. On peut trouver des photos. On peut trouver des captures. On peut avoir des enregistrements. Imagine s'il y avait ça. Et je ne suis pas bête, m'a dit sans conviction. Tu n'es rien. Tu n'es pas mon genre d'homme. Tu ne me donnes pas envie, en fait. Tu n'es pas. Je n'aime pas un homme MC. Tu es MC. Je ne veux pas. Tu n'es rien. J'ai été là par pitié, je t'ai aidé et c'est toi qui m'appelais de venir, tu n'as pas mangé. Il y a deux choses dans ma vie, tu me dis, je t'aide, je suis malade, je n'ai pas mangé, je prends, je te donne. Donc c'est toi qui m'appelais, m'a dit sans conviction. Moi je t'autorise, il faut faire sortir toutes nos conversations, vas-y. Vas-y! Moi, c'est de ton père. Si je veux, là, c'est ton père qui est décédé. Si lui, il vivait, là. Si lui, il vivait. Malheureusement, lui, il est décédé. Si lui, il vivait, là. J'allais me mettre en couple avec lui pour te montrer. Moi, c'est si toi, tu vas me dire, tanti. J'allais être la co-épouse de ta mère. Ça va pas, je dois. Je dis, je suis amoureuse. J'ai quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Que je pleure. Lui, il a mes vocaux. Une seule personne. Je l'envoie des vocaux, je pleure. Je t'aime, je le fais moi. Et quand il ne veut pas me parler, et quand je l'appelle, il coupe, je l'appelle, il coupe, il ne veut pas me parler. J'appelle, j'ai une personne que j'appelle, la personne l'appelle. Après, il dit, pardon, toi aussi. Après, moi, je comprends. En fait, c'est les trucs d'amour. Ce n'est pas parce que c'est moi, Fatoumier, ce n'est pas parce que c'est moi. Ça n'a rien à voir. En amour, c'est ça. Quand on aime, on aime. Donc, Madik sans conviction, moi Fatou, je dis à tous les hommes qui ont quelque chose pour moi, qui te dit qu'il est mon ex ou qu'il a eu quelque chose d'intime avec moi, je vous autorise sur la vie de mes enfants, sur la tombe de mon père, pour l'amour de Dieu et du prophète Mohamed, Père Sali sur lui. Moi Fatou, je vous autorise, envoyez aux pages, donnez aux pages, donnez aux gens, ils vont monter ça. Ils vont montrer au monde entier. Venez me démentir, vous allez dire, elle ment. Tu as dit ça et ça, voici tes textos. Voici tes messages. Voici nos conversations. Voici tes vocaux. Voici tes enregistrements. Ok, si c'est pas, vous n'avez pas enregistré, mais au de grâce, on peut avoir quand même des conversations. S'il y a quelque chose entre toi et quelqu'un, il y a les conversations. Il faut montrer les conversations. Moi, dans ma vie, moi, mon parcours, si vous voyez que j'ai le 28 là, j'aurai 33 ans et fière. Et mon âge là, c'est pas âge inventé. Hein. C'est pas, j'ai pas l'extrait de naissance d'un jugement supplétif. Hein. J'ai l'extrait de naissance. Toutes nos conversations sont là. Hein. J'ai l'extrait de naissance, le volet, l'original. Je suis née le 28 octobre 89. Moi, Fatma Tabine, t'as dit, je ne suis pas une minère excitée. Je ne suis pas une vieille. Je suis une jeune dame qui sait ce qu'il veut. Je sais ce que je veux dans ma vie. Donc, Madik, sans conviction, Madik démagogue, dans ma vie, moi, Fatou, de mon enfance, j'étais très canaille. Je me suis tatouée, je t'ai dit, quand j'étais au collège, la 7e année, moi, Fatou, je n'ai jamais bu l'alcool. Je n'ai jamais fumé.
la drogue. Je n'ai jamais fumé la cigarette. Je n'ai jamais fumé même du chicha. Moi, ma boisson, c'est du XL. Moi, Fatou. Mais j'ai acheté dans le passé pour les gens, je l'ai acheté. Si j'ai des, je peux avoir des péchés, c'est parce que j'ai acheté. Mais je n'ai jamais fumé. Je ne me suis jamais droguée. Je n'ai jamais fait la prostitution. Moi, Fatou, avant que je ne me marie, d'abord, mon tout premier copain, il était Peul, un jeune. J'ai fait combien d'années avec lui? Toutes les personnes qui m'ont connu, ils le connaissent. À part cet homme, après, j'ai eu qui dans ma vie? J'ai un jeune Malinké aujourd'hui qui est dans l'administration de Mamadi Doumbouya. Quelqu'un avec qui j'ai fait combien d'années ensemble? Combien d'années on est ensemble? Un jeune Malinké que j'aime. Maintenant, c'est vrai, il n'y a plus rien entre nous. Il est marié aussi, il a des enfants. Il est avec sa femme. Mais c'est quelqu'un qui a été là pour moi et pour ma famille. Et qui continue d'ailleurs toujours être là pour moi et ma famille. Moi, non. Alors là, parce que je ne parle pas avec lui, il faut qu'on se dise la vérité. Je l'ai bloqué parce que je n'ai pas voulu qu'il me parle de Doumbouya. Je n'ai pas envie qu'il me dise quelque chose et puis je le refuse. Je n'ai pas voulu. Donc, à cause de lui, même des numéros en Guinée inconnus, quand il m'appelle, je ne prends pas. Parce que j'ai peur que ce soit lui. Le jour où il va me voir au téléphone pour me dire, Fatou, c'est moi qui te parle. Arrête. Laisse le CNR, laisse Doumbouya. Sur la vie de mes enfants, je ne vais pas les soutenir, hein, mais je vais les laisser. Parce que je ne vais pas penser à aujourd'hui. Je ne vais pas penser à ce que le CNRD est en train de faire. Je vais penser à cette personne qui a toujours été là pour moi, qui m'a aimé, qui m'a considéré, qui m'a respecté et qui continue à être là pour ma famille. C'est vrai aujourd'hui, comme je vous dis, on ne parle pas, je l'ai bloqué. Wallahi, on ne parle pas, billahi. Et lui, il était Malinké. Donc moi, dans ma vie, mon histoire d'homme là, je vous ai dit, à part les deux là, et puis le papa des enfants, lui c'était mon mari légal, mon halal, avec qui j'ai fait combien d'années ensemble? 10 ans, ou plus même. À part les trois là. Et aujourd'hui, il y a une personne qui est dans ma vie là. Que moi j'aime, à part les gens là, il n'y a pas, je vous lance ce défi, tout homme qui a quelque chose qui peut moi m'impliquer, quelque chose qui peut moi m'humilier, quoi que ce soit, je t'autorise, il faut le publier sur les réseaux sociaux. Vas-y sur TikTok, vas-y sur Snapchat, vas-y, tu donnes, va dans les pages suivies là, tu les écris, tu crées un faux compte, tu les envoies pour ne même pas que les gens cherchent qui a envoyé. Sur la tombe de mon père, je suis une femme exceptionnelle. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme de qualité. Je suis une femme de principe. Je suis une femme qui sait ce que... Moi, je sais ce que je veux dans ma vie. Je me suis toujours respectée. Et je vais toujours me respecter. Je vais toujours être avec un homme, pas pour son argent, mais pour sa maturité, pour le respect, la considération qu'il aura, ce qu'il a envers moi. Donc, c'est mon parcours. Histoire d'homme. Je vous dis, je vous autorise. Vous pensez que moi, j'allais faire des conneries. J'allais être une femme de passe-partout et m'asseoir sur les réseaux sociaux, combattre un homme comme Selou Dalem. Combattre un homme comme Selou Dalem. Vous pensez que moi, j'allais le faire? Vous pensez que moi, Fatou, j'allais faire ça? M'asseoir sur les réseaux, combattre un homme qui est aimé, comme Selou Dalem, dans mon épique, dont je suis de la même communauté, moi, Fatou, lui, on est de la même communauté, je vais m'asseoir, le combattre, l'insulter, l'attaquer, dire tout sur lui. Et que je sais, il y a des gens qui ont des choses qui peuvent me nuire. Et ils ont tout fait. Et à l'époque, je dis, des gens qui ont payé
un milliard pour qu'on me condamne, on m'a condamné. Mais j'ai la baraka, Madik, j'ai la baraka de mes parents. Et j'ai pas besoin de dire ça à qui que ce soit ici sur les réseaux. J'étais en Guinée, j'ai eu tout genre de problèmes. Ils ont voulu me mettre en prison, m'humilier, me tuer même. Mais j'ai quitté. Et c'est pas le CNRD qui m'a fait quitter la Guinée. Je suis sortie de moi-même. Et une personne qui m'a aimée, qui m'a aidée, un malinqué. Il m'a... C'est pas pour dire... C'est un malinqué. Pas pour dire que non, c'est pour je t'aide parce que je veux que... Non! Il m'a fait sortir de la Guinée. Et je suis venue aux États-Unis. M'a dit, moi, non, hey! Je dis, c'est Dieu qui est avec moi. Parce que je ne combats jamais le faible. Je ne vais jamais combattre le faible, moi, Fatoumé, lui. Jamais de ma vie, je vais combattre le faible. Je vais toujours combattre la personne qui se croit fort. Je te dis, tu es, est-ce que tu manques, tu n'es pas fort. Il n'y a pas un homme fort. C'est les temps qui sont... Il y a des temps forts, oui. Le temps comme actuellement. Si l'homme était fort, Dadis n'allait pas se retrouver dans la situation dont il se trouve aujourd'hui. C'est le temps qui était fort dans le passé. Il a, voilà. Mais là, il est où? C'est le même Dadis, hein? La même personne. Madik, si ça te fait mal que moi, Fatoumé, le Ansou Damaro, Mamoudou Silla, ma soeur Matou, Benito, mon frère, le champion des champions, et Moussa Degebou, on est là aujourd'hui. On soutient, on défend les partis politiques. On soutient, on défend le FNDC. On soutient, on défend Sidia Sellou. Si c'est ce qui te fait mal, tu vas mourir. Vous avez fait semblant ici d'aimer Sellou. Vous n'avez jamais aimé Sellou. Vous avez tous profité de Sellou Daleng. Sellou est comme Alpha Condé. Ceux qui les aiment en vrai, vrai là, ils ne les aiment pas. C'est ceux qui font semblant avec eux. Ceux qui ne les aiment pas là, c'est à eux qu'ils donnent de l'importance. C'est ça le vrai défaut de Sellou. C'est ça le vrai défaut de Alpha. C'est ça le vrai problème de Sellou. C'est ça le vrai problème de Alpha. Les personnes qui les aiment, les personnes qui vont les soutenir, qui sont là pour amour sincère, ils ne calculent pas les gens là. C'est les démagogues. C'est les personnes qui sont là pour profiter. C'est eux qui mettent de la valeur. C'est ça leur défaut. J'ai connu les deux hommes là. Sellou, Alpha Condé. J'étais très proche de Alpha, j'étais très proche de Sellou. Donc je dis, moi, je ne suis pas une. Il y a de ces mots, je ne veux pas trop parler. Mais je suis une femme qui est respectueuse. Je suis une femme qui connaît sa valeur. C'est quand j'ai eu mon frère a eu le problème. Les personnes qui ont voulu me soutenir, même pour m'avoir au téléphone. C'était impossible. Et c'était pour m'aider, hein. C'était pour m'envoyer de l'argent. Juste envoyer de l'argent pour que je puisse assister. Pour m'assister, accompagner mon frère. Pour se manger, pour les déplacements, pour payer les avocats. Mais les gens ne m'ont pas eu au téléphone. Je ne suis pas accessible. Je ne donne pas la chance à tout le monde de me parler. C'est pas tout le monde qui a accès à moi. C'est pas tout le monde qui a accès à mon Nalo. Beaucoup de gens aujourd'hui ont osé de parler avec moi parce qu'ils m'ont vu sur TikTok, je souris. Sur TikTok, je ne parle pas politique. Sur TikTok, je donne l'occasion à des personnes de venir échanger avec moi pour qu'ils entendent mon allô. On me dit, Fat, je dis, oui, ça va, je dis ton nom. Ah, comment tu vas, maman, des pauvres, on t'aime. Je dis, merci, je t'aime aussi. J'ai donné l'occasion-là aux gens. Ici, je ne rigole pas. Ici, je ne donne pas le temps à des gens pour venir même. Envoyer une demande décrochée. Il y a combien de demandes ici? Je ne prends pas. Donc, Madik, tu es un menteur. Tu es un démagogue. Tu ne peux rien dire sur moi. La façon dont tu nous connais, je ne connais rien de toi. Ça, tu n'as pas menti. À part quand tu es allé en prison, quand tu es rentré en contact avec moi, quand je suis allé à la DPJ, tu es venu me voir pour la première fois et tu as demandé à ce que mon numéro, je l'ai écrit, je t'ai donné. Et après, tu m'as écrit
avec un policier là-bas. Tu as dit au policier de m'appeler. Le policier m'a appelé pour me dire, c'est Madik qui veut te parler. Après, tu as dit, ah, je veux te voir. Je suis venue. C'est comme ça, tout le temps, tu m'appelles, viens. Et quand moi, je viens, parce qu'avec les policiers, tu n'avais pas confiance en eux pour le téléphone pour parler à ta famille et à ces choses. Donc, c'est avec mon téléphone. Tu me dis, appelle-moi telle personne. Après, ton téléphone t'a trouvé là-bas, ton petit téléphone. Ils t'ont acheté un petit téléphone, ils t'ont amené. Pas moi-même, pour ne pas après qu'on dise, ah, c'est un téléphone qui a enregistré ou quoi. Tu es allé au village Prac, après tu es rentré, tu as dit que les gens là ont voulu t'envoyer dans le RPG. Le village Prac, il reçoit le Peul, le Soussou, le Malinké, le Forestier, il y a tout le monde, il y a tous les partis politiques. C'est vrai, nous sommes alphaïsme. C'est le village Prac, c'est pour Alpha Condé. Mais des gens venaient là-bas qui ne sont pas du village Prac. Le village Prac, c'est un endroit qui reçoit tout le monde. Le président du village Prac, là, Youssouf Sampil, c'est un rassembleur. C'est un homme qui rassemble tout le monde. Il s'en fout de ta communauté, il s'en fout de ton parti politique, il s'en fout de... Vous avez vu l'exemple, hein? Vous avez vu, comment je vais dire, le monsieur là, Bakary Gabi, vous l'avez vu. Lui, il n'est pas dans la politique, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Hmm? Il est en Guinée, mais vous avez vu comment il ressemble les jeunes. Donc, Youssouf Sampil, Bakary Gabi, c'est les jeunes leaders qui rassemblent le peuple, qui n'ont pas besoin de donner 1000 francs à quelqu'un pour lui faire venir. Il suffit qu'ils prennent leur téléphone pour appeler n'importe qui, la personne va venir. Parce que c'est des personnes qui sont là pour tout le monde. Quand tu as besoin d'eux, quand tu es dans l'urgence, ils te gèrent. Ils ne t'ont pas reçu là-bas pour que tu viennes dans leur... Moi, je t'ai dit, laisse la politique. Mais pose. Tu sais ce que je t'ai dit. Je ne t'ai jamais dit de venir au RPG. Et c'est moi, Fatou Niello, qui a fait que tes parents ont été reçus, tu as été reçu, ton papa a été reçu par Alpha Condé. C'est à cause de moi que vous avez été reçu par nos cadres, parce que c'est moi qui les ai appelés, je les ai donné le courage. Je les ai dit, c'est bon. Et tu sais, quand je venais, quand je parlais avec le président, tu savais, je te disais, je t'ai tout dit. J'ai dit au président, quand ils t'ont condamné 5 ans, j'ai appelé ta mère, je lui ai dit, quoi? Je dis, il est condamné, on va faire appel, on va réduire, je l'ai tout dit. Ils ont réduit. Quand ils t'ont condamné à 1 an, je l'ai appelé, je l'ai dit, le jour, la veille que tu vas sortir là, la veille du grâce présidentielle, j'ai appelé ta mère, je l'ai dit, tu vas être gracié demain. J'ai appelé ta mère. Et toi, tu étais en prison. Je t'ai appelé, je dis, demain, ils vont te gracier. M'a dit sans conviction. Ils t'ont gracié avec Grenade. Et Grenade aussi, son dossier était couché. J'ai tout fait. Ils ont relancé le dossier. Il a été condamné à 10 ans pour que le président lui grâce, pour qu'il le gracie. Donc, tu n'as rien à me dire. Moi, toi, moi. Si moi, je veux de toi, voilà, tu ne vas pas refuser, m'a dit. Tout homme qui mange le sel, qui mange du sucre, tout homme qui sait ce qu'il veut dans sa vie, là. Hein? Tout homme, je dis homme, je ne dis pas enfant, ou parce qu'il y a homme, il y a garçon. Tout homme qui veut réussir dans sa vie, tout homme qui a des convictions, tout homme qui veut voir demain, là. Quand moi je veux de lui, voilà, il ne va pas refuser. Moi, je vais vouloir d'un homme et puis cet homme va refuser. Elle m'a dit, toi, tu as quel diplôme? Même tu es français, tu ne parles même pas bien français. Là où on met le, tu mets là. Tu n'es pas diplômé, tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es un simple menteur démagogue, m'a dit, sans conviction. Donc si moi je veux de toi, je vais t'avoir. Tu es un blogueur, je ne veux pas des blogueurs, je m'en fous de vous les blogueurs. Moi les blogueurs là, certains blogueurs ce sont mes frères. Les vrais blogueurs, ils ne sont même pas nombreux, eux c'est mes frères. Mais moi, me livrer à un blogueur. Vaut mieux pour moi de venir faire un live et puis me déshabiller, c'est mieux pour moi. Un blogueur. Aujourd'hui, même les filles, tu les approches là. Ils n'ont même pas la chance de connaître tout dans ta vie. Dès qu'on vous voit deux fois, c'est pour raconter après, tu es comme ça, tu es comme ça. Je dis, personne n'a rien contre moi. J'ai même pas d'amis filles. J'ai une seule amie fille d'enfance.
On peut faire maintenant 5-6 mois, on ne parle pas. Mais le jour où on va parler, on va tout se dire. C'est mon nominé, Fatma Tabine Tadjallo. Et on l'appelle, et là, son surnom, je ne vais pas dire parce que voilà. À part ça, là, je n'ai pas d'amis. Mon seul et unique ami, quand j'étais dans cette situation compliquée dans ma vie en Guinée, là, c'était mon ami Soussou qui était là pour moi, qui me donnait à manger, qui m'apportait tout, qui me donnait tout, qui était là, qui faisait mes courses, qui risquait sa vie. Il y a ses connaissances même qui lui disaient, hey, pourquoi tu marches avec Nyeloui Fatou? Tu sais, tu n'es pas en sécurité, ta vie n'est pas en sécurité. Mais il s'en foutait, il était avec moi. On marchait, on montait, on descendait. Il partait avec moi au procès de Nyeloui. Je dis, il était là pour moi. Et après, quand j'ai eu mes problèmes, quand je quittais la Guinée, je l'ai appelé, je me suis confiée à lui parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Il était la seule personne qui était au courant comment je suis sortie de la Guinée, mon parcours, comment je sortais. Et quand j'arrive à ce niveau, je l'appelle. Quand j'arrive à ce niveau, je l'appelle. Quand j'arrive à ce niveau, je l'appelle. Donc à part mon... Et lui, c'est mon ami. C'est l'amitié sincère qui est entre nous. Il est Soussou. C'est pourquoi je vous dis, les Soussous, je les aime beaucoup. À cause de cet homme Soussou, là, à cause de ce monsieur, cet homme d'un grand cœur, Soussou, là, j'aime tous les Soussous. À cause de cet homme Soussou, aucun Soussou ne va me faire quoi que ce soit et que moi, j'aurai une bouche pour m'attaquer à un Soussou. Je ne le ferai jamais à cause de cet homme. Donc, m'a dit que sans conviction, tu es un menteur, tu es un démagogue, tu n'es rien. Parce que je rentre, Mamadi Doumbouya, c'est ce que tu n'as pas aimé. Sinon, j'ai attaqué ce loup tout ce temps ici, mais tu étais là, tu m'appelais. Je dis, il faut aller poster nos conversations, tes appels manqués. Quelqu'un qui... Toi, moi, je suis fan de toi. Tu m'appelles, je ne décroche pas. Moi, je suis fan de toi. Tu m'appelles, je refuse de te décrocher. Et puis, tu envoies des messages pour dire pourquoi tu ne me décroches pas. Et je ne sais pas alors si c'était toi qui étais fan de moi. Mon téléphone allait déménager. Tu allais t'installer dans mon téléphone. M'a dit que tu mens, tu es un démagogue, tu n'es rien, tu n'as rien, tu es un menteur. Abat le CNRD. D'accord? Comme les IFDGistes là, après tout ça là, quand Doumbouya va tomber là, tu vas venir encore dire que tu es IFDG et puis ils vont te recevoir. C'est ça leur problème. C'est ce qui a fait que moi j'ai pris le courant, je dis je. Parce que c'est un parti. Ils sont en manque d'organisation. C'est un parti, ils sont en manque de principes en fait. Il y a des gens, il faut les éliminer dans ton parti. Il y a des gens, il faut les oublier dans ton parti. Il y a des gens là. Qu'est-ce que m'a dit que toi tu as apporté à l'IFDG? Tu as apporté quoi à ces loups? Tu as apporté quoi à l'IFDG? Qu'est-ce que tu peux apporter? Tu n'es rien. Et puis m'a dit que, je te dis, moi, tu es zéro devant moi. Tu es un menteur sur la vie de mes enfants, sur la tombe de mon père. Aujourd'hui, demain, là, je ne prie pas. Demain ou après-demain, je vais prendre le courant, j'irai. D'accord? Moi, je vais prendre le courant, j'irai. Que je suis fan de toi. Moi, fan de toi. Et puis, à l'époque, j'ai le pouvoir, j'ai tout. Je vais être fan de toi. Et toi, tu vas refuser ça. Tu ne te lavais pas, tu ne te brossais pas. Quand tu venais, tu sentais là-bas même. Ta bouche sentait. Tu sais là où je m'assoyais. Tu ne te brossais pas les dents, tu ne te lavais pas. Tu es en prison. Moi, je vais, tu vois, même quand tu sens... Moi, hey, tu sais ce que j'aime sur un homme? Quand tu sens bon, le parfum, quand tu sens bon, ça m'attire. Tu sentais mauvais. Tu étais là avec... Une culotte, t-shirt, chaque fois je viens, tu es habillé comme ça. Tu ne te lavais même pas. 3 jours, 4 jours, tu es habillé, tu ne te laves pas. Moi, tu veux séduire ta femme pour dire à ta femme que Fatou Nyeloui, sur la tombe de mon père, je n'ai même pas pensé un jour te calculer dans ma vie pour t'embrasser ou pour penser à autre chose entre nous, sur la vie de mes enfants. Si je m'en compte, qu'Allah ne montre pas mes enfants, mon enfant qui est en Guinée, qu'Allah ne me montre pas ma mère. Qu'est-ce que moi? C'est vrai, je ne sous-estime pas les hommes. Surtout moi, parce que
quand je le fais, les gens vont dire, ah, elle se prend parce qu'elle n'a pas, elle se dit, elle a tout, machin. Oui, j'ai tout, machin. Là, je ne suis pas à la merci de quelqu'un. Alhamdulillah, à mon âge, je dis, j'ai tout, alhamdulillah. Je dis, Dieu m'aime beaucoup. Ça, c'est une bénédiction. Et je suis très fière et très reconnaissante. Donc, Madik, je ne vais pas dire que moi, je ne sous-estime pas les hommes. Non. Tous les hommes me dépassent. C'est Dieu qui a fait que moi, les hommes ont plus de valeur que moi, la femme. Je suis d'accord. Mais Madik, je n'ai jamais pensé à être avec toi. Je n'ai jamais eu fan de toi. Fan de toi, wallahi, sur la tombe de mon père. Jamais. Quand tu étais à la maison centrale, je ne suis jamais allée te voir. Tu as toujours appelé, tu as crié, tu étais fâchée parce que tu voulais me voir. Et tu sais, tu m'appelais combien de fois pour que je vienne te voir? C'est quand tu me dis tu n'as pas mangé. Je viens, je te laisse avec 1 million, 500 000, 100 dollars, 200 dollars et je donne de l'argent. Et ça, c'est à chaque fois que je te voyais. Quand je ne te donne pas, fais ces 500 000. Et mais, alhamdoulilah, rabbil alamin, quand tu fais quelque chose pour un ingrat, c'est ça, ce que j'ai fait pour toi là, tout est allé dans l'eau parce que j'ai parlé quoi. Le bien que Dieu gardait pour moi à l'au-delà là, c'est parti parce que je suis venue dire ici. Mais comme c'est pour toi seulement, j'ai dit là, alhamdoulilah, m'a dit que tu n'es rien. Hé, regarde, m'a dit que mes cheveux sont naturels. Tu as vu? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu, j'ai pas de boucles. Tu as vu une maman de deux enfants. Mère de deux enfants. Tu as vu? Tu sais les ongles, je t'ai dit. Et puis, les femmes qui mouillent les ongles, elles sont beaucoup. Parce que quand tu as les ongles, comment tu peux faire même tes toilettes? Je suis très propre. Tu as vu mes cheveux? Tu as vu comment c'est lisse? C'est pas moi, c'est le métissage. C'est parce que je suis métisse. Ma maman, elle vient de la Mauritanie. Tu as vu? Sinon, j'ai coupé ça pour avoir les crépus. Mais regarde comment c'est bouclé. Regarde comment. C'est plus lisse que l'autre qui était là, même bouclé. Regarde. Donc, Madik, tu mens. Si tu mets de la valeur sur toi, moi, je dis tu mens. Tu n'es pas mon égal, toi. Tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Tu es un menteur. Tu es un escroc. Tu es un manipulateur. Tu es un menteur. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es un simple démagogue. Aujourd'hui, celle-là avait plus besoin de toi. Quand ils ont cherché celle-là de sa maison, pourtant toi, tu as chié. Je dis, il m'a dit, tu as mangé sur celle-là. Tu as chié sur celle-là. La maison qu'ils ont fait tomber, là, on n'a pas vu ta gueule. Tu n'as pas ouvert ta gueule pour dire un mot. Tu n'as pas ouvert ta gueule qui sale là. Pour dire un mot. Pourtant, toi, tu as chié là-bas. Chez lui, à Dixine. Tu étais là-bas à garder. C'est là-bas que tu dormais. C'est là-bas que tu dormais. C'est là-bas que tu mangeais. C'est là-bas que tu as chié là-bas. La maison qu'ils ont fait tomber. Tu n'as pas dit un mot. Ils sont allés faire une école. Tu n'as pas dit un mot. Parce que Doumbouya, tu te dis, il est malinqué, tu es malinqué. Tu es un ethno. C'est ça la raison, rien d'autre. Parce que tu es ethno. Alpha Condé, c'est parce que tu savais, lui, il s'en foutait des démagogues. Et Alpha n'était pas ethno. Il s'en fout que tu sois malinqué. Tu es Peul, tu fais son affaire, il est avec toi. Tu es Soussou, tu fais son affaire, il est avec toi. Tu es Forestier, tu fais son affaire, il est avec toi. Tu es malinqué, tu ne fais pas son affaire, il n'est pas avec toi. C'est ça, Alpha Condé. Ce n'est pas un ethno, il s'en fout. Mais vu que tu es ethno, Alpha sait que tu ne pouvais rien apporter, il s'en foutait de toi. Tu es ce que tu as une haine, tu es rancunier. Donc, il fallait s'attaquer à Alpha, aller s'adosser sur l'IFDG. Vous, toutes les personnes qui étaient là dans le passé, hélas, c'est Runaba, Salouaba, toi, Madikba. Beaucoup de gens qui ont fait semblant d'être avec celui dans le passé, c'est pas parce que vous étiez avec lui, parce que vous l'aimez. Vous étiez avec lui pour avoir plus de force pour combattre Alpha Condé. Rien d'autre. Aujourd'hui, celle-là a plus besoin de soutien. Il a besoin de votre soutien. Vous qui l'avez conduit dans l'erreur. Vous qui avez tout fait pour ne pas qu'il soit comme ça avec Alpha Condé. Vous qui avez fait croire à celle-là, si tu soutiens Alpha ou si tu es en contact. Sinon, Alpha a tout fait pour être en contact avec celle-là. Il a tout fait pour qu'il soit en rapport, pour qu'il ait des bons rapports, relations avec celle-là. C'est celle-là qui n'a pas voulu. Mais vous, à l'époque, vous avez fait croire à celle-là. Quand quelqu'un va lui toucher là, vous êtes prêt à tout. Et aujourd'hui, sa loi, il ne dit rien.
Sœur Ouna ne dit rien. Ils sont tous avec le CNRD. Toi, Madik, tu ne dis rien. Celle-là a été délogée. Et sa maison, ils ont construit une école. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette injustice contre celle-là? La personne hier dont vous vous défendez là. Et nous, aujourd'hui, on a vu, avec tout ce qui s'est passé entre celle-là et nous, je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas sa communauté. Je ne regarde pas sa personnalité. Je ne regarde pas sa prise de position. Et parce qu'il est leader politique. Je regarde parce qu'il est humain. En tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui est contre l'injustice, je le soutiens. Je soutiens. Je vais toujours soutenir toute personne qui va subir l'injustice. Moi, Fatou Niel, c'est ma nature.